Salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est la première de l'année. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne année et j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Stop. Ne croyez pas cet homme. Ne prenez pas de bonnes résolutions, ne prenez pas de résolutions tout court. Vous ne les tiendriez pas plus de 2 jours. Par exemple, j'ai pris la résolution de manger plus sainement. Non. Vous êtes des geeks et devant votre écran, vous allez devoir bouffer les chocolats de Noël de vos gosses et par fainéantise, c'est un fast-food qui comblera votre assiette dans vos soirées geeks. Allez, j'en profite et c'est un mode de vie. J'ai aussi décidé de respecter l'environnement, en tout cas de faire du numérique responsable. N'importe quoi. À peine l'année commencée, votre téléphone vous glissera des mains et une micro-rayure pas plus grande qu'une pièce de 2 euros sera visible sur votre téléphone. Vous n'appellerez pas Phone Glass Repair, Phone Glass Remplace, mais vous rachèterez un nouveau téléphone et mettrez l'ancien à la poubelle. J'ai pris aussi la résolution de faire du sport, bien sûr. Ce youtubeur de Salut les Noobs se fout littéralement de vous après avoir dépensé des centaines d'euros dans un banc de musculation, des chaussures de running ou une montre connectée. Le seul sport que vous allez vraiment faire, c'est d'allumer la console, aller chercher à boire et à manger et jouer à FIFA. Et non, on ne maigrit pas des pouces. J'ai même pris ma carte d'abonnement à la salle de sport. Ah merde, c'est pas celle-là. Non, c'est pas ce... Cette carte d'abonnement ne sera utilisée qu'une fois, le jour de l'inscription, mais elle restera dans votre portefeuille et n'en sortira jamais. En revanche, vous prendrez un abonnement que vous allez rentabiliser à Netflix, Canal ou Amazon Prime Video, et vous ne sortirez pas de votre canapé. Vous pouvez aussi décider en cette nouvelle année d'arrêter de fumer. Ça, c'est une bonne résolution. Comme chaque année, vous allez tenter d'arrêter de fumer et vous acheter une cigarette électronique toute neuve. Dès le premier week-end, vous allez vous racheter un paquet de clopes parce que bon, en soirée, j'aime bien me fumer des vraies petites clopes, quoi. Vous n'utiliserez plus de l'année votre cigarette électronique. J'espère aussi que vous allez prendre le temps de jouer avec des jeux de société en famille ou entre amis. C'est juste génial. Vous allez vous donner bonne conscience et vous allez acheter 3 jeux que vous n'utiliserez jamais parce que vous et vos amis sont des piquetons et surtout qu'à minuit, bah commencer une partie, ça va trop nous fatiguer. Enfin, la dernière résolution que je vous conseille de prendre, c'est de découvrir plein de jeunes créateurs ou créatrices sur YouTube et bien sûr, de vous abonner à leur page, à leur chaîne YouTube. C'est quelque chose qui nous aide beaucoup, nous, les petits créateurs et créatrices. Vous avez trop la flemme de vous créer un compte Google pour vous abonner à la chaîne de Salut les Noobs. Vous allez donc faire comme 85% des viewers de Salut les Noobs et regardez ensuite une autre vidéo d'un youtubeur très connu et oubliez mon visage et ma voix pour le restant de l'année. Bande de bâtards. Bref, bonne année 2020 et salut, bande de noobs.